Alors, sur 95 de FM, Radio Ici Maintenant, mes chers amis, et bien sûr, ici-maintenant.com, par l'Internet, dans le monde entier, vous pouvez nous regarder. On va recevoir M. Khaled. M. Khaled, bonsoir. Oui, bonsoir M. Abbassi, et bonsoir à tous les auditeurs qui écoutent la radio. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'appréciais beaucoup de vous écouter à la radio. J'aime beaucoup vos émissions. Et voilà, je ne sais pas si c'est dans votre agenda. Moi, je vous écoutais beaucoup à l'époque, enfin, il y a déjà de cela pas mal d'années, quand vous faisiez vos émissions sur le Coran, l'écriture du Coran, la façon dont ça a été révélé, avec les sourates de Médine, les sourates de la Mecque, etc. Et je trouvais ça très passionnant. J'ai appris énormément de choses et vous m'avez beaucoup... vous m'avez beaucoup aidé à construire, mon opinion sur l'islam, sur les religions en général et sur l'islam en particulier. Ceci étant, c'est ça que je voulais. Enfin, déjà, je voulais commencer par dire ça. Je voulais aussi réagir par rapport à l'extrait que vous venez de diffuser. Oui. Concernant les propos du président de la République. Monsieur Macron, concernant ce qu'on appelle maintenant de manière un peu exagérée le conflit israélo-palestinien. Alors moi je suis, moi quand j'entends ce genre de position, alors je me dis soit c'est la position d'un politique, bon, enfin là en l'occurrence on est une, avec il prend énormément de gants dès qu'il s'agit de parler de ça, mais bon. Aujourd'hui, les gens raisonnables, plus personne, je veux dire, ne croit dans la solution de deux États. Cette histoire de solution de deux États, c'est, mort et enterré. Et d'ailleurs, en Israël, beaucoup d'intellectuels israéliens ne croient absolument plus dans cette histoire. Donc pour moi, les hommes politiques qui disent ça, soit ils racontent des histoires, soit ils évacuent ce dossier d'un revers de main. Pourquoi plus personne n'y croit? C'est que de toute façon, il y a un État qui existe, c'est l'État d'Israël. En revanche, l'État palestinien, je ne vois pas, monsieur Abbassi, où est-ce qu'on va le faire, cet État palestinien? Dans la mer Méditerranée, peut-être, hein? C'est vrai, c'est juste une blague aujourd'hui de parler de deux États. Parce que je vais dire, quand on voit... La façon dont la Cisjordanie a été totalement colonisée, je crois qu'il y a pas loin de 600 000 colons en Cisjordanie. Jérusalem-Est, il y a deux jours, là d'ailleurs, Arte a diffusé un très bon documentaire sur la situation à Jérusalem-Est. Le nombre de Palestiniens qui ont été dépossédés de leurs maisons, qui ont vu leurs maisons détruites. Les chiffres sont tellement énormes que moi-même, j'ai du mal à les retenir. C'est juste une blague de parler de deux États. C'est une blague. Donc, moi, quand j'entends un homme politique, que ce soit un homme politique français ou que ce soit un homme politique d'un autre pays qui parle des solutions à deux États, je me dis, il n'est pas sérieux, quoi. Il n'est pas sérieux. La réalité, aujourd'hui, c'est fini, cette solution à deux États. Cette solution à deux États, elle pouvait encore voir le jour à l'époque des accords d'Oslo, donc il y a 24 ans, 1993. Sauf que depuis cette date-là, la colonisation en Cisjordanie a explosé. Je pense, si on est sérieux aujourd'hui, un homme politique qui est sérieux, qui est de bonne volonté et qui a une véritable vision d'avenir pour cette région du monde, à savoir donc la Palestine, c'est tout simplement un seul et unique État. C'est tout. Un seul et unique État qui s'appellera Israël, qui s'appellera Palestine. Bon, ça, c'est déjà un gros problème pour trouver le nom. Mais la seule solution, c'est la fin de l'occupation et la fin de la colonisation. C'est la seule et unique solution, il n'y en a pas d'autre. Solution à deux États, c'est fini, c'est mort. C'est une plaisanterie de parler de deux États. La seule solution qui est viable, c'est tout simplement que
qu'on commence par arrêter de construire des colonies en Cisjordanie, qu'on abatte ce mur. De toute façon, ce mur, un jour ou l'autre, finira par tomber, hein, comme sont tombés tous les murs qui ont été construits, comme notamment le mur de Berlin, hein, qui a existé pendant 28 ans et qui est tombé du jour au lendemain. Ce mur finira lui aussi un jour par tomber, ce mur qui sépare les Palestiniens des Israéliens. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire un seul et unique pays qui reconnaît toutes les communautés ethniques, religieuses, musulmans, juifs, chrétiens, athées, enfin, quoique athées, c'est pas une communauté religieuse, mais bon, c'est un... Voilà, et ça ne peut venir que de là, la solution ne peut venir que de là. Or, moi, ce qui m'inquiète, et ça, c'est très bien montré dans ce documentaire qui est passé sur Arte, et là, ce que je viens de dire, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, que ce soit en Israël, que ce soit en France, ou que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Je veux dire, voilà, il n'y a que les gens qui sont restés bloqués dans le passé qui parlent de solutions à deux États. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est les fanatiques qu'il y a dans cette région. Et quand je dis les fanatiques, je parle précisément des fanatiques juifs qui ont des idées, mais complètement incroyables, hallucinantes, qui veulent reconstruire le temple de Salomon sur l'esplanade des mosquées, qui sont en train de faire des fouilles, et en fait qui pensent qu'une fois que le temple sera reconstruit, le Messie va revenir sur Terre, c'est-à-dire qui ont des visions messianiques, enfin je veux dire qu'ils me paraissent complètement ahurissantes, et j'ai peur que ces gens finissent un jour par précipiter le monde dans une guerre mondiale. Je veux dire, si jamais un jour, avec des fouilles archéologiques, etc., ils finissent par faire tomber cette mosquée, la mosquée d'Al-Aqsa, ou de la détériorer considérablement, enfin bref, c'est jamais ce qui peut arriver, j'ai bien peur que ça risque de mettre le feu à l'ensemble d'une région qui est déjà minée par ce conflit. Et Dieu sait que le fait de résoudre, si demain il y avait en Israël, malheureusement c'est pas le cas, une véritable volonté politique pour mettre un terme à cet apartheid, hein, parce que c'en est un, c'est pas autre chose qu'un apartheid, eh bien c'est sûr que ça réglerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça réglerait pas tous les problèmes, ça c'est clair, mais ça réglerait, à mon avis, beaucoup de problèmes dans cette région. Ça réglera pas le problème entre les tensions qui existent entre les chiites et les sunnites. D'ailleurs, moi j'ai été scandalisé par les propos de Monsieur Trump quand il était en Arabie Saoudite, à Riyad, en commençant son discours et en finissant son discours par l'Iran, 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 comme si l'Iran était à la source de tous les problèmes dans cette région. Je trouve que c'est une région qui est déjà compliquée. Il y a déjà des problèmes, qui sont séculaires entre les chiites et les sunnites. Et je trouve que pour un président étranger, qui soit américain, qui soit français ou autre, aller dans cette région puis prendre clairement parti pour une partie, donc là en l'occurrence pour l'Arabie Saoudite, qui Dieu sait dans cette région est vraiment pas un modèle, hein, vraiment pas un modèle d'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, même si à faire une comparaison entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, je trouve qu'en Iran, ils m'ont l'air d'être plus modernes qu'en Arabie Saoudite. Hein. Au moins en Iran, ils ont au moins le mérite de changer de président tous les 4 ans, même si le vrai pouvoir appartient au guide suprême de la révolution. Mais au moins, il y a un semblant de démocratie, les femmes ont le droit de conduire et tout. Donc franchement, quitte à comparer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'Iran me paraît quand même plus ouvert que l'Arabie Saoudite. Et voilà, je trouve que pour un président, c'est totalement irresponsable, de prendre une position pour un pays ou pour un autre. La région est déjà suffisamment meurtrie par des guerres. En témoigne ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, au Yémen, dont personne ne parle d'ailleurs au passage. Pour pas aller rajouter de l'huile sur le feu. Or, moi, ce
ce qui m'inquiète, je suis assez pessimiste, c'est que finalement, aussi bien parmi les dirigeants les dirigeants du Moyen-Orient que parmi les dirigeants qui comptent sur la scène internationale, donc les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, tout ça, je vois pas de discours apaisant, de discours d'hommes qui seraient visionnaires. Je vois pas, j'entends pas. Tout ce que je vois, c'est des personnes qui prennent parti, voilà, qui prennent parti pour les Israéliens, qui prennent parti pour les Saoudiens, qui disent n'importe quoi, comme quoi l'Iran menacerait la paix mondiale. Non mais franchement, c'est que des discours creux, que des trucs qu'on ressasse depuis, moi j'ai 44 ans et ça fait 25 ans que j'entends les mêmes phrases qui sont vides de sens, quoi. Et là, excusez-moi, je voulais absolument réagir parce que l'extrait que vous avez montré, enfin que vous avez passé du président de la République française, la solution à deux États, franchement, je me dis, soit Emmanuel Macron n'a toujours pas ouvert le dossier, bon, à mon avis, il ne fait que répéter ce qu'on lui demande de dire, c'est tout. Voilà. Alors, monsieur Khaled, je ne vous ai pas coupé, mais si vous permettez, je vais vous poser deux questions. Déjà, concernant les propos de Macron, vous savez, lui, il a dit également que c'est difficile, c'est-à-dire deux États, c'est une information que je voulais vous donner, mais comme vous venez de dire, même Macron, il a dit, c'est difficile actuellement de penser, de poursuivre la question de deux États. Mais de l'autre côté, question d'un seul État palestinien-israélien, c'est encore plus impossible que deux États. Pourquoi ? Puisque jamais Israël, actuellement, comme vous savez, il a des problèmes avec les Palestiniens. Et n'oubliez pas que vous avez parlé de fanatiques israéliens. Et le fanatique de l'autre côté, du côté palestinien, est tellement grave que c'est toujours condamné par les dirigeants palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire quand il y a des attentats, quand il y a frappe des juifs par le couteau, je ne sais pas quoi. Toujours, les dirigeants palestiniens, ils condamnent et ils disent ce n'est pas organisé, c'est-à-dire ce n'est pas organisation palestinienne qui poursuive les attaques organisées contre et